Salut à tous, on est sur Sacré Radio et on est avec Kraft de Cracky Record aujourd'hui. Salut Martin. Comment ça va ? Ça va, tranquille. Écoute, je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que la dernière fois que tu es venu pour l'émission au tout début de nos streams, je pouvais pas être présent. J'étais attristé, mais bon, c'était pour la bonne cause. Mais voilà, tu fais partie des personnes, en tout cas, que je connais depuis longtemps dans le milieu et à qui j'ai un profond respect et admiration pour tout le taf que vous faites au niveau du label, tout votre univers, tous les artistes que vous sortez. Je trouve ça, voilà, à chaque fois, c'est super beau et je suis très content de voir que ça dure pour vous, en tout cas. Merci, on essaye, on fait en sorte. Ouais, bah, parce que ça, je reviens sur le côté longévité, parce que vous deviez fêter normalement vos 10 ans de label en cette année 2020. Là, t'en parlais un petit peu en off, mais donc vous allez déplacer tout ça sur 2021. T'as pas mal d'actu qui va arriver sur le label. Est-ce que tu peux en dire déjà un petit peu plus aux auditeurs de Sacré Radio? Bah, déjà en termes de longévité, ouais, c'est les 10 ans du label qu'on voulait fêter. En fait, la date exacte, c'était en septembre. Donc. On était à mi-chemin entre les deux, donc en 2021 ou 2020, à 6 mois après, on va faire les 10 ans, donc on a tout décalé d'un an à cause du Covid, mais bon voilà. Donc c'est 10 ans de production de disques, mais avant on avait déjà fait pas mal d'événementiels pendant 2 ans et demi, 3 ans, donc Cracky ça fait à peu près, on va dire 13 ans que ça existe. Et là en fait, la partie un petit peu adulte, du moment où on a commencé à produire des disques et à aller en studio et à en faire un label, et en faire finalement une activité qu'on fait perdurer jusqu'à maintenant quoi. Et donc là, pour les 10 ans, comment ça se passe? Comment tu crées une tournée de 10 ans? Vous collaborez avec les artistes du début? On est des nouveaux? C'est une compile de plein de choses? Là, une tournée en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ce qui était prévu, c'est vu que le label, il est assez large en termes d'esthétique. C'est-à-dire qu'il y a de la musique électronique, évidemment, beaucoup plus d'ailleurs sur notre partie événementielle. La partie vraiment purement label, c'est dur de définir, mais on va dire qu'il y a un axe plus pop, indie. Et donc même pour une tournée c'est un peu compliqué parce que faire Renard avec Antonin Apex ça n'a pas toujours beaucoup de sens, donc on essaye de faire des sortes un peu comme des menus, un peu des cartes, c'est à dire que sur des on fait des tournées en club, on peut venir ici, on fait un plateau plus électronique par exemple pour du club, on va à un festival de jour, on peut faire une mini scène avec deux artistes pop et un DJ qui clôt. Il y a des smacks où on peut aller, on fera que du live. En fait, on a tellement d'artistes et de profils différents dans le label que ça nous permet de faire un peu des trucs sur mesure avec les différents promoteurs en France. Et donc, on va avoir une tournée qui sera estampillée 10 ans Cracky, mais là-dedans, ça sera jamais le même plateau, ça sera jamais les mêmes échanges et partages d'artistes. Et donc, c'est encore plus intéressant parce qu'on va battre toutes les cartes du label en fait dans différents sens, quoi. Ouais, d'accord, je comprends tout à fait le côté vraiment à la carte et à la demande, et donc tu t'adaptes dans les endroits où vous allez et c'est cool parce que ça permet vous en tant que DA d'affiner complètement des plusieurs plateaux, puis même je pense que ça peut donner un côté assez intéressant aussi quoi. Ouais, carrément, après on connaît des binômes ou des accords d'artistes qui collent très bien ensemble, qu'on a déjà fait plusieurs fois parce qu'en plus comme tous les labels c'est un peu une famille, les artistes se connaissent entre eux, il y en a qui ont fait des collabs etc, mais ce qui est amusant justement c'est aussi de confronter ça, de les faire se rencontrer autrement. Ils ont chacun des manières de produire, de jouer, des styles différents. Et oui, c'est vraiment ça, on va battre les cartes de plein de manières différentes. Et non seulement pour nous et pour les artistes, mais aussi ça permet aux promoteurs d'avoir un truc, une offre un peu exclusive, quoi. Si jamais c'était le même plateau x50 dans toutes les salles de France, bah tu t'achèterais juste un service en fait, entre guillemets. Alors que là, on propose à chacun aussi de dire bon voilà, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi, selon le public, selon l'heure, selon tes goûts à toi en tant que programmateur par exemple. Tu vois, si on travaille ensemble, toi tu peux dire je préfère tel artiste, est-ce qu'on ferait ça comme ça? Pas un truc imposé en tout cas, parce que le dialogue, ça permet la création aussi, ça permet les échanges, enfin voilà, c'est aussi ça l'idée quoi. Bah complètement, et c'est vrai que les endroits dans lesquels vous allez vous en tant qu'artiste ou en tant que programmateur ou tourneur, c'est sûr qu'ils ont chacun leur propre esthétique, et c'est vrai qu'il y a un vrai dialogue à avoir entre tous les intervenants pour organiser un spectacle pour que ça touche le bon public au bon moment aussi quoi. Bah, ça touche un peu un truc qu'on se disait juste avant tous les deux, c'est que aussi dans un rôle de booker ou de programmateur, quand on book des artistes parfois c'est peut-être un peu trop rigide, c'est voici mon offre et tu l'achètes ou tu l'achètes pas, alors que je pense que chaque lieu est un peu empreint d'une identité, d'une image, d'une atmosphère, et en tant qu'artiste ou en tant que booker ou en tant que promoteur, il faut savoir s'adapter aussi à ce lieu-là. Il y a des artistes qui collent à des endroits et pas à d'autres, et c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il faut savoir où tu joues, de quelle manière, comment, et puis faire une preuve d'adaptation non seulement pour le programmateur mais aussi pour le public qui vient, parce que lui il connaît sa salle, il sait, enfin voilà, je pense que c'est important de faire ça aussi, et c'est exactement dans cette optique-là qu'on va faire ça. Bah écoute, je suis complètement d'accord avec toi.
Tu parlais aussi vite fait, on va pas parler trop longtemps, parce que le plus important c'est écouter de la musique et écouter les, j'espère, les prochaines releases. Peut-être que tu as 2-3 exclus à nous. Je sais pas, on verra. Bon, en tout cas, tu parlais de famille et je comprends tout à fait aussi le mot famille derrière le label et derrière toutes les énergies qu'il peut avoir au sein d'un label. Comment ça se passe dans une période un peu particulière comme aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une vraie solidarité entre vos artistes ? Est-ce qu'il y a des collaborations ? Est-ce que vous, en tant que directeur artistique du label, vous poussez aussi vos artistes à produire des choses ensemble ? Ouais, bah alors il y a plusieurs franges d'activité. Côté spectacle, comme tout le monde s'en doute, c'est mort. Donc il se passe rien. Donc alors que c'est un endroit important de rencontre entre artistes, entre le label, artiste, tourneur, etc. Donc tout ça, cette partie-là, elle est à zéro. Par contre, sur le côté purement disque, purement label, c'est vrai qu'au début, c'était un peu la panique, personne ne savait quoi faire. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, en tout cas, nos artistes, tous ceux avec qui on travaille actuellement dans le roster Kaki, sont assez productifs en ce moment. Passent beaucoup de temps en studio. J'ai rarement eu autant de démos prêtes ou de disques prêts en avance depuis 10 ans. Et je trouve que c'est super parce que ça a transformé une ambiance un petit peu de peur ou de doute en quelque chose de vraiment créatif et de vraiment positif. Et d'ailleurs, en plus des artistes qui eux-mêmes font des démos tout seuls, il y a eu beaucoup, beaucoup de collaborations entre artistes, soit de notre label, soit de labels autres. On est allé chercher un petit peu ailleurs, etc. Et donc, je trouve que ça s'est transformé en quelque chose d'ultra créatif. On a un peu de temps avant de sortir tout ça, parce que tu vois, il y a le calendrier et tout ça, machin. Mais je pense qu'on va sortir de cette période avec quand même beaucoup de très beaux morceaux, beaucoup de très belles créations et des belles rencontres. Donc, je trouve ça super d'avoir transformé un petit peu cette énergie en quelque chose de positif et créatif, quoi. Bah écoute, c'est génial, ça donne envie d'écouter ton set et de découvrir un peu tous ces morceaux et toutes ces prochaines collaborations passées, futures. Là, en l'occurrence, je préfère le dire, je pense qu'il n'y a aucun morceau craqui sur... on va voir si je le sens, mais c'est plutôt des petites sélections personnelles. Mais pourquoi pas, je vais essayer de mettre quelque chose. De toute façon, te connaissant, je pense que ça sera très bien aussi. On verra. Je ne fais pas du tout de soucis là-dessus. Écoute, t'es une heure avec nous sur Sacré Radio, joue ce que tu veux, éclate-toi. Super, bah vas-y, je vais m'y mettre. Profite bien et puis on est une heure avec Kraft de Cracky Record. Super. Now that you know how
the world of love. Here I'm fighting for my soul. Struggling in life, hard to survive. Hard to survive. Survive. In another life.
now. With all your will to succeed, you gotta get some guts. Your money-making schemes and ventures still can do some good. On hand, you've got everything, and actually you should. Let me tell you about it. Don't you know about it? Know about it?
وشفتك فتيوم سألت نفسي هذا ليش تعبوا على هذا الولد حلو هو والله ولا أدري يمكن بيعجبني هيجي بس والقمر الورد والعصافير ما عندهم لا ضوء ولا جمال بالنسبة إلي ليش أريد أنطيل كل حياتي الحياة بلا والله ما أريد ولا راح اقول له تعال ولا راح اقول له يجي معاي ارجع لي بيت وحدي افكر علي اشوف براسي هيجي الحياة We'll be right back.
تراعي